figurez-vous que c'est moi qui ai lancé Dick Rivers et les chats sauvages. Ce fut d'ailleurs ma première réussite il y a bien longtemps. Et donc, après avoir perdu mon Johnny, eh ben, Dick Rivers s'en va. C'était un garçon simple, mais qui était en totale admiration d'Elvis. C'était la grande époque, et c'est totalement en admiration d'Elvis.